Bonsoir à tous. Au nom de Hervé Barbaret, directeur du Mobilier National, je vous souhaite la bienvenue pour ce renouveau d'un séminaire, d'une rencontre autour du design et du savoir-faire. Vous connaissez cette formule, c'est la deuxième année, donc ce dialogue qui est un dialogue au sein du Mobilier National entre le design et le savoir-faire. Je laisse la parole tout de suite à Fabien Petiot qui vous fera une présentation du thème, puis vous connaissez la formule et on se retrouve à la fin. Bonne soirée, merci. Bonsoir à tous. Nous avons choisi de faire un petit détour plutôt que de... voilà, on reprend... Je mange le micro, donc c'est ça la technique. Donc plutôt que de continuer, même si nous allons poursuivre ensuite sur les matériaux qui sont un petit peu notre fil conducteur pour ces rencontres, nous avons choisi de travailler, d'évoquer un lieu qui nous paraissait essentiel, qui est l'atelier. D'une manière ou d'une autre, un atelier c'est un espace collectif, même quand on y travaille seul finalement c'est aussi un lieu de rencontre. Et nous allons l'aborder en deux opus, en deux parties, pour reprendre finalement notre fil des matériaux. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter mon voisin, mais juste avant cela, vous dire que la fois prochaine, nous consacrerons notre séance au Fab Lab, qui apporte justement quelque chose de nouveau dans cet atelier, quelque chose de nouveau à cet univers. Ça sera le 1er décembre. Je disais que c'était un espace collectif parce que c'est un espace de la discussion entre praticiens, entre artisans et commanditaires, entre artisans et designers. Et c'est à la fois un lieu très, très silencieux, on se concentre, un lieu de travail, et c'est en même temps un lieu d'agitation, un lieu de discussion. Il y a un texte qui est évidemment incontournable quand il s'agit d'aborder la notion d'atelier. C'est un texte de Daniel Buren qui est assez connu, qui s'appelle « Fonction de l'atelier ». Et Buren explique que l'atelier joue le rôle de lieu de production d'une part, de lieu d'attente d'autre part, et enfin, si tout va bien, de diffusion. C'est alors une gare de triage. Donc c'est aussi un lieu qui permet de faire le tri et de sortir finalement d'une forme d'isolement. C'est aussi un lieu de rencontre, l'atelier. Et contrairement à l'atelier de Brancusi, qui finalement maintenait la quotidienneté de l'atelier en même temps qu'il présente les œuvres de Brancusi, quand on le visite devant Beaubourg, très souvent les œuvres se retrouvent extraites de leur lieu d'origine et finalement passent dans un autre lieu avec ce que ça comporte aussi de modification d'une certaine manière de l'œuvre. Évidemment, là, nous ne sommes pas... dans le cadre d'œuvres d'art, mais d'œuvres qui ont une fonction, qui vont être dans un cadre fonctionnel. Et donc, on peut poser malgré tout la question à nos invités aujourd'hui, à nos intervenants d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'ils vivent ce passage de l'atelier à son lieu de destination, c'est-à-dire dans quelle mesure on retrouve quelque chose de cette matrice qu'était l'atelier. Je vous présente donc dans cette première partie Ludovic Avenel. Ludovic est diplômé de l'école Boulle en ébénisterie et design. En 2007, il a été lauréat du prix Liliane Bettencourt pour l'intelligence de la main et en 2010, il a obtenu le prix régional de l'Institut national des métiers d'art, c'est-à-dire l'INMA. C'est dans sa maison Ludovic Avenel qu'il a créé en 2008 dans le 12e arrondissement qu'il participe à partir de cet endroit qui est l'atelier justement à des expositions nombreuses à Bruxelles, à Shanghai ainsi qu'au Grand Palais puisqu'on s'est croisé récemment au salon Révélation. Je lui laisse tout de suite la parole pour aborder cette première partie consacrée à l'atelier. Merci Fabien. D'abord, bonjour à vous toutes et à vous tous. Merci Fabien, merci Marc pour votre invitation sur un sujet qui me tient à cœur, puisque c'est le cœur de mon métier, qui est justement le partage, l'échange, et le fait d'être dans une forme d'humilité du quotidien dans nos métiers, d'être ouvert. Et je crois que ça, c'est le maître mot de ce que je vais essayer de vous présenter très simplement. C'est justement cette ouverture à 360 degrés sur aussi bien les champs d'application que sur les matériaux donc, sur les techniques, sur les savoir-faire, sur toutes les possibilités qu'offre aujourd'hui un domaine de compétences et plus à proprement parler celui du bois que je maîtrise, puisque je maîtrise, enfin c'est un bien grand mot, parce que je pense qu'on apprend toute sa vie, mais en tout cas avec lequel je m'amuse bien, qui est le bois. Alors moi je suis ébéniste,
Alors, ébéniste avec plusieurs casquettes, parce que des fois je me sens artiste, des fois je me sens designer, des fois je me sens entrepreneur, des fois je me sens gérant, des fois je me sens comptable. Enfin, je me sens plein de choses, et c'est ce qui est en final assez amusant, c'est que moi-même j'ai plein de confluences en tant que personne, c'est que je suis animé par plein de centres d'intérêt, donc tout ça se retrouve dans mon métier. Et aussi avec les gens avec qui je travaille. Bon, j'ai pas du tout suivi mon fil conducteur, mais c'est très bien. Alors, je vais quand même lancer la petite. Ça sera plus simple. Alors, si j'y arrive. Alors, pour reprendre le fil, donc je suis ébéniste avec deux activités principales sous le nom de la maison Avenel. Alors, pourquoi maison ? Parce que au sein de cette maison, j'exerce différentes activités qui sont celles à la fois de dessiner, concevoir, fabriquer et vendre. Donc, tout ça dans une petite entreprise artisanale constituée de 5 personnes, 2 en bureau, on va dire, bureau d'études, et 3 en atelier. Avec la particularité dont moi je m'occupe de, à la fois du design, mais aussi de la conception, aussi un peu de la fabrication, et surtout aussi de la vente et de la communication. Donc moi je chapeaute et j'orchestre en fait l'ensemble de ces différentes compétences, avec deux activités principales. Donc je vais vous présenter un peu l'activité, et après je vous présenterai plus précisément par le biais de projets, par des exemples de projets, les manières dont on peut aujourd'hui collaborer, et dans la manière dont je collabore avec de nombreux partenaires. Donc, alors j'ai deux activités principales. La première, c'est la création de pièces uniques. Alors, pièces uniques, ce sont des créations que nous proposons à la vente, qui sont des pièces numérotées signées, souvent, le plus souvent en pièces limitées à 8 exemplaires. Et la deuxième partie, c'est la commande spéciale, c'est le sur-mesure. C'est en réponse et en demande, aussi bien à des collectionneurs qu'à des architectes, qu'à des designers, des industriels, des artistes. En tout cas, le champ est assez large et c'est ce qui est au final assez intéressant, c'est qu'on peut répondre, et vous le verrez par la suite, à de nombreuses typologies de projets. Alors, moi quand j'ai commencé mon activité, et c'est ce que je trouve assez intéressant, c'est que j'avais une vision à l'âge de 16 ans du monde de l'ébénisterie, de celui de là où je suis né, puisque je suis né en Normandie, qui est celui de l'armoire normande. Et je pensais que l'ébéniste, c'était celui qui fabriquait une armoire normande, tout simplement. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que pour moi, c'était limité à cela, le métier. C'était l'ouverture que j'en avais. Et puis, en apprenant ce métier, je me suis rendu compte que, bon, il y avait beaucoup de choses, beaucoup d'autres choses en type de mobilier, comme cette commode d'André Charles Boulle. Et qu'au final, l'ébéniste, c'était la personne qui orchestrait l'ensemble de ces corps de métiers différents qui opéraient sur une pièce mobilier. Donc là, on voit qu'il y a du marbre, on voit qu'il y a des bronzes, il y a parfois de la laque, il y a parfois souvent de la serrurerie, il y a sur d'autres typologies de projets, tapisserie, et enfin un certain nombre de domaines de compétences sur lesquels l'ébéniste se retrouve le concepteur, en tout cas le chef d'orchestre ou l'assembleur de ce pulse de nombreuses pièces et qu'il doit maîtriser. Donc c'est intéressant dans cela, c'est que la perception que j'avais de ce métier est au final assez fausse, et plus ça va et plus je me rends compte qu'on est à la rencontre de tous ces savoir-faire et de tous ces domaines de compétences, quels qu'ils soient. Alors aujourd'hui on est dans d'autres domaines de compétences, que ce soit le carbone, que ce soit l'impression numérique, que ce soit le laser, que ce soit dans les techniques, les matériaux ou dans les domaines de compétences beaucoup plus élargi. Mais je trouve que cette commode d'André Charles Boulle est très représentative de la pluridisciplinarité, je vais y arriver, de l'ébéniste. Alors, je vais commencer par la commande spéciale. En général, je commence toujours par présenter mes créations et de vous montrer comment je collabore. Là, je vais commencer par
le sujet qui, je trouve, est le plus nourrissant dans mon activité, celle des rencontres avec d'autres domaines de compétences, qui sont donc des clients très variés et très différents, que ce soit les maisons de luxe, les industriels, les artistes, designers, architectes, décorateurs, hôtels, particuliers, collectionneurs. Et on va commencer par un sujet qui est tout récent, qui est celui que nous avons réalisé en juin. C'est un des derniers prototypes par PSA d'un véhicule électrique qui est assez intéressant dans sa typologie sonore. C'est-à-dire que c'est un objet électrique pensé pour être sonore, puisque un objet électrique n'est plus sonore, mais comment on intègre du son dans un véhicule ? Enfin bon, bref. En tout cas, ce qui est intéressant dans la démarche de PSA en interne, dans le développement de leur projet, c'est qu'il y a une vraie réflexion aussi au sensible, au tactile, de ce qui peut se passer également à l'intérieur de l'habitacle d'une voiture, et que le bois peut complètement remplir des fonctions à la fois techniques, acoustiques et esthétiques. Et c'est ce que nous avons fait avec ce partenaire, PSA, sur ce dernier concept car, c'est la mise au point de l'espace intérieur, géré d'une manière acoustique aussi bien pour tout l'habitacle que les éléments aussi mobiles, volants, planches de bord, sièges, donc tout l'intérieur est réalisé en bois, donc avec des techniques traditionnelles d'ébénisterie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui l'industrie, et notamment PSA, fait appel à des gens comme nous pour à la fois mettre au point le projet techniquement, de pouvoir apporter des solutions donc techniques, esthétiques, et en même temps avoir une écoute sur la possibilité du design qu'offre la matière. Et ça, c'est extrêmement intéressant, c'est que la matière aujourd'hui, elle offre des possibilités de déformation en 3D qu'on avait du mal à faire il y a quelques années, etc. Donc on est toujours nous-mêmes aussi en tant qu'artisans dans cette démarche-là, dans le fait de repousser ses propres limites techniques pour trouver des manières de répondre à leurs demandes. Donc c'est à chaque fois un jeu de ping-pong entre l'ingénieur, le designer, les stylistes en interne et les responsables des matériaux et matières. Donc là, on est vraiment une pièce, une maille de l'ensemble de ce projet. Et ce qui est fascinant, en tout cas vraiment passionnant, c'est que les prototypistes dans l'industrie automobile sont vraiment très performants, très compétents, ils maîtrisent de nombreux matériaux, que ce soit tous les matériaux souples, que ce soit les matériaux, tout ce qui est métaux, cuir, tout ce qui est la sellerie est vraiment un élément très important dans l'habitacle. Donc nous, on se retrouve tout petit dans tout ce grand monde, et c'est extrêmement intéressant d'apprendre la technique et les moyens de mise en œuvre d'une voiture. Et ce que j'ai appris au final dans une voiture, c'est que lorsque vous la voyez sur un salon, elle est parfaitement finie, elle est belle, mais au final, elle n'est qu'en apparence belle. Elle est complètement fabriquée en mousse, en lab. Ça reste un prototype avec en effet un moteur, mais en gros, c'est un ensemble de cartons habillés, réalisés. Tout l'habitacle, cependant, réalisé avec les vrais matériaux. Donc ça leur permet de mettre en point un certain nombre de techniques, et à chaque fois que nous faisons un partenariat avec ce type de clients, de partenaires, nous-mêmes, on ressort en tout cas avec beaucoup d'expérience, de compétences, et on va au-delà, et ce qui nous permet après de pouvoir l'appréhender de meilleure manière dans son propre travail. Donc ça, voilà, ça c'est la voiture. Alors il y a quelques années, je vous montre un autre sujet qui est un vélo, également réalisé avec une partie coque en bois. Donc là, on est sur le même processus que la voiture. Et je vous montre exprès des objets qui ne sont pas des meubles, comme l'armoire ou la commode, pour vraiment montrer que les champs d'application du bois aujourd'hui rentrent dans de nombreux secteurs. Et ce vélo en est l'exemple, avec sa petite sacoche que l'on voit qui permet de soutenir cette sacoche. L'ensemble est moulé et vient s'inscrire dans un ensemble de résine, d'aluminium, et voilà. Donc ça, c'est un exemple assez intéressant également de mise en œuvre et de collaboration avec des domaines de compétences assez variés. Un autre projet, une toute petite échelle, c'est un stylet d'iPad, et c'est assez intéressant parce que le stylet, c'est quelque chose de... On est dans le numérique, on est dans le web, on est dans la dématérialisation. En général, sur un iPad, on n'a pas besoin de stylet. Et Apple fait tout pour pas qu'il y ait d'objets annexes souvent à leurs objets. Et là, une marque qui s'appelle Plume
souhaité faire un peu le Mont Blanc, le stylet Mont Blanc, enfin le Mont Blanc du stylet, mais que ce soit un vrai objet auquel on tienne, qu'on puisse offrir, qu'on puisse avoir un lien d'affection avec cette typologie d'objet. Donc sur ce projet, ce qui est intéressant, c'est que déjà c'est un commanditaire assez atypique. Bien de voir, on voudrait faire des stylets, mais bon, on n'a jamais fait, mais on peut faire, pourquoi pas, on peut regarder ce qu'il est possible de faire. En tout cas, il y a quand même beaucoup de problématiques, enfin il y a quand même pas mal de problématiques de conductivité entre le doigt et l'écran. Et au final, il faut que le stylet puisse être l'élément conducteur entre le doigt, la main et l'écran. Donc comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y intègre une techno? Est-ce qu'on le fait de manière plus judicieuse en faisant une partie de ces stylets avec une matière qui soit elle-même conductrice en termes de parce que c'est le corps humain, des charges physique, exact. Donc sur ce type de projet, nous avons dessiné, conçu, mis au point, mais pour cela on a été en relation avec à la fois un ingénieur sur la conductivité, on a été en relation avec une tourneuse sur laiton pour toute la partie tournage, et en même temps on avait tous ces embouts qui sont en résine, réalisés sur mesure pour ces stylets. Donc là on est sur des prototypes de mise au point qui permettent de valider si ça fonctionne ou pas. Donc là c'est une belle expérience parce qu'on est une toute petite échelle et il y a un assemblage de compétences et c'était très, très intéressant comme sujet. Et ce qui est intéressant à chaque fois avec tous les sujets, c'est qu'au final on ne sait pas grand chose, on a juste une base de connaissances à peu près qui permet de répondre à quelques questions. Et au final le projet se fait avec l'équipe et souvent le commanditaire dessine autant que nous, comme la personne qui a réalisé le laiton, elle a participé complètement au dessin puisque sa technique, sa manière de tourner, sa manière de mettre en œuvre la matière définit en soi-même la manière dont le projet va être dessiné. Donc voilà, ça c'est d'autres types de réalisations sur mesure, complètement différentes. Ça c'est une réalisation en collaboration. Et ça c'est un autre point important dans nos métiers aujourd'hui, c'est la collaboration à plusieurs sur un même projet. Et la collaboration qui peut être une commande, mais des fois on ne sait plus si on collabore, si on est partenaire, qui commandite, mais là, en fait, c'est un partenariat avec une artiste, en même temps pour le musée d'art et d'histoire du judaïsme, et en même temps avec une galerie. Donc tout le monde est mélangé, on met tout le monde dans le même pot, et qu'est-ce qu'il en sort? Bon, des fois il en sort des frictions, des fois il en sort, ça consolide, parfois une personne plus une personne font trois, on va au-delà de ce qui avait été imaginé et pensé. Et là, le rôle que moi j'ai eu, c'était plutôt d'essayer de trouver le fil conducteur et la manière dont l'ensemble du projet pouvait déjà être faisable, économiquement également faisable, et puisse répondre à l'ensemble de ces différents commanditaires. Donc là, on est sur des séries de tables rétro-éclairées. Donc il y a un ingénieur sur l'éclairage qui a travaillé sur la connexion de cette table d'une manière électrique pour qu'on puisse rétro-éclairer le verre qui lui-même est fabriqué par Saint-Gobain. Donc l'artiste a dessiné, son dessin est prisonnier entre deux plaques de verre, l'ensemble est monté dans une structure bois et l'ensemble est rétroéclairé. Donc on se rend compte qu'au final c'est un assemblage de nombreuses compétences et à un moment donné notre travail à nous c'est de faire la synthèse et de faire en sorte que tout ça fonctionne et puisse être réellement physiquement présent et marcher. Donc ça c'était une belle collaboration. Et souvent, ce qui est intéressant dans les collaborations, c'est qu'on apprend vraiment à connaître l'autre. Et je crois que c'est vraiment l'intérêt des collaborations, c'est de rentrer dans l'univers de l'autre, de comprendre l'autre, et de réussir à lui apporter peut-être sa vision, son partage. Mais ça demande quand même de rentrer dans le dur, enfin de pas rester superficiel ou consensuel. Donc de temps en temps, on n'est pas d'accord. Mais c'est souvent dans ce sens-là où les choses sortent, et c'est dans ce rapport d'échange où c'est concret. Voilà. On ne peut pas se mentir. Alors ça, c'est un projet, je vous le montre aussi, parce qu'il n'y a pas de bois, et c'est ce qui est intéressant dans l'orchestration de ce projet, c'est qu'au final, le commanditaire, qui est un hôtel, nous demande de réaliser une bande d'accueil en bois. Sauf que l'univers, il y a de la pierre, il y a du marbre, il y a des œuvres artistiques, et au final, en faisant le projet, on se rend compte que le bois n'a vraiment pas
toute sa place dans cet univers. Donc nous avons fait plutôt ce travail de recherche qu'on ne voit pas très bien, c'est la partie blanche du dessous, qui au final est un cuir gaufré, il est encore doux. Donc on a commencé à gaufrer nous-mêmes, des morceaux de cuir, et puis on s'est rendu compte qu'on n'était vraiment pas bon à gaufrer du cuir et qu'il valait mieux aller voir un sellier ou un gainier. Donc on a commencé à faire ce travail de comprendre comment ils faisaient, quels étaient leurs outils, etc. Puis on a présenté en fait à l'hôtelier pas un morceau de bois, mais un morceau de cuir gaufré, et avec des possibilités de texture et de matière. Et au final, nous avons orchestré complètement le projet, et au final, le bois, c'est la structure. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout la partie visible, mais c'est la partie cachée, qui permet de tenir l'ensemble, et qui permet en même temps, parce que les problématiques dans l'hôtellerie sont bien différentes que pour un particulier, il y a tout un aménagement intérieur, et l'aménagement intérieur peut être enlevé en cas de réparation, sans enlever la façade, puisque l'hôtel est ouvert jour et nuit, et tous les jours. Donc c'est le type de projet assez intéressant, assez stimulant, dans le sens où dans son propre métier, on ne peut ne pas être fermé aux autres possibilités. Et parfois, la matière qu'on connaît peut-être le mieux, enfin moi le bois que je connais mieux que d'autres matières, parfois je me rends compte qu'il n'est pas du tout adapté, parce que je me rends compte que ça ne va pas du tout correspondre au cahier des charges, et qu'il est peut-être mieux de proposer autre chose. Et cette autre chose est parfois très variée, très différente. Alors ça, c'est un projet de commande spéciale d'un couple collectionneur sur lequel, pareil, il y a une collaboration qui a été faite. En fait, ce projet est né d'une collaboration pure. C'est la rencontre avec une sellière et c'est la rencontre entre le bois et le cuir. Du coup, on se dit pourquoi pas coudre le bois et le cuir, c'est souple, mais pourquoi pas rendre le bois souple et pourquoi pas faire bois, cuir, souple. Enfin, bon, bref, on rentre dans tout ce processus de transfert de technique. Et c'est ce qui est extrêmement intéressant, c'est que parfois la compétence ou la technique de l'autre peut complètement rentrer dans son champ d'application. Et c'est vrai que souvent, on regarde, moi j'ai jamais utilisé une machine à coudre, mais on se projette très vite quand on a envie de s'amuser, de dire pourquoi pas on pourrait peut-être le coudre, mais du coup si on le coud, pourquoi le rendre rigide, pourquoi pas le laisser souple. Enfin bon, c'est assez chouette à chaque fois de pouvoir rentrer dans la technique de l'autre et de se l'approprier, et puis de jouer avec ses matériaux et de voir qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc sur ce projet, les alcôves, ce que vous voyez en ébène le plus foncé, sont complètement souples. En fait, c'est une feuille de papier, le bois, on l'a pris, et on l'a tordu, on l'a mise en œuvre comme une maquette en papier, comme un cuir que l'on met en forme. Au lieu de faire des choses techniquement compliquées qui auraient été de faire des moules, des mises en œuvre, etc., là, on est sur quelque chose de complètement souple que l'on met en place et qui se tient de soi-même. Donc, voilà, ça, c'est vraiment la naissance liée à d'un projet lié à une rencontre, et en même temps on a eu la chance d'avoir un couple collectionneur très à l'écoute qui a joué le jeu, parce que c'est pas toujours, c'était risqué, on savait pas où on allait, on a fait beaucoup de maquettes, beaucoup d'essais, et puis c'est avéré que ça a fonctionné, et du coup on s'est dit allons-y. Donc voilà les coutures que l'on voit un peu mieux sur le bois. Alors, souvent, on pense aussi mobilier intérieur dans la possibilité de l'ébéniste, mais ça, c'est le projet d'un pool house où, justement, on a travaillé l'extérieur, ce qui change complètement le cahier des charges d'un projet, puisque faut que le bois puisse résister, à la fois aux UV, mais aux intempéries. Et en même temps, ce n'est pas les mêmes problématiques. Et là, la problématique de mon ordinateur, c'est que j'ai loupé... Et la problématique de ce projet, c'était le temps. Alors le temps, Marc, il le connaît bien, puisque nous sommes partis tous les deux du slow-med, de comment réussir à valoriser le temps juste. Et là, le temps juste, il n'y en avait pas. C'était quasiment infaisable. Et ce projet, on l'a pensé avec la technique. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on ne pourra pas le faire avec nos outils à nous. Et en fait, il faut qu'on trouve une possibilité de le mettre en œuvre. Et la possibilité de le mettre en œuvre, c'était de le faire complètement en commande numérique, de tout faire avec un outil rapide, efficace, et de pouvoir faire tout le montage. Donc en fait, on a dessiné le projet avec l'outil, avec les dimensions de panneaux que l'on pouvait utiliser, les dimensions de la machine,
Et qu'est-ce que l'on peut faire de ça? Donc on a réussi à faire un squelette, ce qui est cette pièce qu'on voit peut-être pas très bien, qui est le fond qui accompagne complètement le mur, comme une vague. Et l'ensemble est panoté, ensuite il y a des coussins qui sont mis sur l'ensemble. Mais le projet, le dessin du projet, c'est pas une idée comme ça, jetée sur le papier, etc. C'est juste la problématique du projet et la rencontre avec cet industriel, entre guillemets, qui avait cette compétence et cet outil qui permettait de répondre au cahier des charges. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il y a beaucoup de formes qui sont liées et qui sont nées de l'outil, de la forme de l'outil et le fait de perdre le moins de matière possible. Donc on se retrouve avec des formes qu'on n'aurait sûrement pas faites sans l'expertise de cet industriel. Et au final, on reste quand même dans la fabrication d'un objet artisanal, conçu, fabriqué sur mesure. Alors, je vais passer à la seconde partie, c'est les créations plutôt propres de pièces uniques. Mais souvent, quand on dit propre, il y a un côté, on a l'impression qu'on fait tout seul, que je suis tout seul. En fait, pas du tout, on est souvent un travail d'équipe, en collaboration ou avec des partenaires. Alors moi j'ai la chance d'avoir une chouette équipe, et il y en a quelques-uns qui sont dans la salle. Il y a Vincent qui est là par exemple, qui m'aide au bureau, et qui s'occupe aussi du dessin, de la création, de la conception, qui apporte ses idées. Et je crois que tout seul au final on ne fait pas grand-chose, enfin moi en tout cas je ne ferai pas grand-chose, et je crois que j'ai une chance énorme, c'est d'être bien entouré. Et à l'atelier également, c'est-à-dire que j'ai une équipe qui est très compétente, un chef d'atelier qui a le sens du détail et qui est un technicien, un ingénieur, qui aime le challenge. Et tout ça, on est un peu dans une équipe, presque une équipe de foot. On ne cherche pas à aller marquer des buts, mais on a un même but, c'est celui de faire des belles pièces, de s'amuser, d'apprendre des uns et des autres. Et au final, chacun a sa place. Et ça, c'est extrêmement important, parce que c'est ce qui fait que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Moi, je ne peux pas être partout, tout le monde ne peut pas être partout, tout le monde n'est pas bon gardien et bon attaquant. Et du coup, ce qui fait que ça fonctionne, c'est la complémentarité des compétences et en même temps les visions transversales que chacun peut apporter. Et c'est ce qui se passe dans notre petite équipe, c'est ces confluences internes et qui nous permettent d'avancer au fur et à mesure. Parfois, les choses naissent de l'atelier, de la technique, d'une erreur. On s'est loupé sur un truc, mais c'est super. On a trouvé une matière, une texture. Et ça, c'est complètement réappropriable dans la partie création. Parfois, c'est l'inverse. On fait des choses qui sont infaisables en dessin. On pousse un peu les choses et on se rend compte que techniquement, en fait, on peut mettre en œuvre. Et ça développe un nouvel outil technique qui lui-même pourra apporter une nouvelle pièce. Donc, tout est lié. Et c'est ce qui est assez amusant, c'est que ça demande surtout beaucoup d'écoute et beaucoup de partage. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire, c'est que travail d'équipe, c'est à la fois dessiner, concevoir, fabriquer, communiquer, vendre et gérer. Donc ça se passe à la fois à l'atelier, voilà, l'atelier, une partie de l'atelier. Ça c'est le bureau. Et puis ça c'est lorsque nous exposons nos pièces, donc c'est la présentation. Donc au final, les univers ils sont assez variés, entre l'atelier, plein de poussière, plein de copeaux, plein de bois, le bureau où ce sont que des ordinateurs avec des bouts de maquettes et des logiciels, et puis les salons où il faut enfiler un petit costume et présenter ses pièces. Voilà. Donc les créations, elles sont nées de beaucoup de choses. Souvent, elles naissent des rencontres, de tous les projets que l'on a pu faire, des expériences que l'on peut faire sur le sur-mesure, sur les rencontres qu'on a pu avoir, les techniques apprises. Et les créas, en fait, elles sortent un peu naturellement au fur et à mesure. Ah, si on expérimentait ça, si on essayait ça. Et au final, la créa, c'est essayer, prendre le risque d'eux. Et de temps en temps, on se plante, et ça fait pas de mal, et tant mieux. Et ça permet de rebondir, et on a compris certaines choses. Puis des fois, ça marche, des fois, ça marche moins bien. Peu importe, en tout cas, c'est à chaque fois des aventures. Voilà, comme cette table galet, qui d'ailleurs fait partie de la collection du Mobilier National. Je ne devais peut-être pas le dire, mais je vous le dis. Et qui est en frêne olivier et qui est complètement en laque Mirachrome. C'est une laque qui est de provenance des États-Unis, qui est un effet chrome, ce qui permet de ne pas avoir un ensemble complètement en inox. Alors, des projets en collaboration, parce que je trouve que c'est le principal sujet, je pourrais vous montrer toutes nos créas, mais je
trouve qu'il n'y a pas d'intérêt, je ne vais pas vous présenter un catalogue de nos pièces, mais par contre les collaborations en création, ça c'est extrêmement intéressant, c'est deux designers, deux artistes, à un moment donné c'est une rencontre, et c'est te dire, et si on faisait quelque chose ensemble, enfin, alors ça marche ou ça ne marche pas, mais quand il y a l'envie, il y a une énergie, il y a une envie, et on va faire quelque chose ensemble, alors des fois ça prend tout de suite, des fois ça met quelques années, des fois ça se déclenche parce que il y a une expo, et si on faisait quelque chose ensemble, ou parfois c'est parce qu'il y a une commande à un moment donné, et puis on avait une idée de projet, on se dit pourquoi pas collaborer. Et ce projet, qu'on voit peut-être pas très bien, c'est un projet qui est dessiné avec Charlotte Julliard, qui est designer. Et ce projet, moi j'avais la technique du bois souple, que vous avez vu sur le bureau Élytre, et elle avait cette fraîcheur et ce regard extérieur que j'avais plus, moi, sur le bois souple. Et en fait, ensemble, on s'est demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire de cette matière. Et de cette matière, on a imaginé en faire un sous-main. C'est-à-dire on prend le bois et on vient effeuiller le bureau. Il s'appelle d'ailleurs le bureau effeuillé. Et on vient complètement soulever le plateau pour accéder à un espace de rangement qui est à l'intérieur. Et bien ce type de projet, sans cette rencontre, il n'aurait jamais été possible. Je pense que je n'aurais pas réussi à le faire seul parce que j'étais trop la tête dans le guidon. J'avais fait cette pièce qui était compliqué, et puis là on avait envie de revenir à une forme de rationalité de l'usage de ce bois souple, et ce partenariat avec Charlotte, bah, c'était juste une ouverture, et cette ouverture, ça a été une belle ouverture pour le coup en bois souple. Donc voilà, un exemple parmi tant d'autres. Ça c'est un autre projet qui est né avec une rencontre de Véronique Frémy, qui fait de la sérigraphie sur cuir. Pareil, on a fait beaucoup de projets ensemble là dernièrement sur la manière de sérigraphier le cuir, le mettre en œuvre. Donc là, les rangements sont également en cuir souple, rangement, etc. Donc après, je pourrais vous montrer beaucoup d'autres choses, mais je crois que c'est un peu l'essentiel de la manière dont je pratique le métier, c'est d'être ouvert. Et puis, surtout, dans un objectif très personnel là, que je vais donner, mais qui est celui de l'amour. Alors, on n'en parle jamais de l'amour, mais je crois que c'est l'amour de son métier, l'amour de donner, parce qu'au final les pièces que nous faisons, on les fait pas pour nous, on les fait pour les autres. Et ça c'est extrêmement intéressant. Tout à l'heure quand tu disais le passage de l'atelier à l'appropriation que peut avoir l'autre en recevant cette pièce, au final nous on se rend compte qu'on n'est pas très attaché aux objets physiques une fois qu'ils sont réalisés, parce qu'on s'est déjà conditionné au fait de le transmettre. Donc on est déjà en relation avec l'autre, avec celui qui va le recevoir. Par contre, il faut que l'autre puisse le recevoir. Donc c'est à nous aussi d'accompagner, de donner les clés pour pouvoir les saisir. Donc c'est tout ce travail de relation, et à un moment donné, hop, il n'est plus à nous. Et l'objet vit sa vie aussi de lui-même. Et ça, c'est extrêmement passionnant, et c'est ce qui permet de passer après autre chose. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup pour cette intervention très, très claire, pour une démarche qui n'est peut-être pas toujours évidente à expliquer, tant elle est diverse et attachée à la pluridisciplinarité. Donc ça, c'est quelque chose d'assez qui est très utile aussi, de pouvoir communiquer aussi ce travail-là et ce goût-là. Cet amour dont tu parles et cette transmission, il passe aussi, si je ne me trompe pas, par non pas un mode d'emploi, mais en tout cas quelque chose qui va servir à pouvoir réparer l'objet. Je crois que c'est quelque chose auquel tu es attentif tout à fait. Dans la transmission de l'objet. C'est vrai qu'une fois qu'on a l'objet prend place dans l'habitat, souvent on ne sait pas qui a fait. Enfin, qui a fait, si, c'est censé être moi, mais des fois il y a d'autres personnes. Il y a ceux qui ont réalisé le cuir, le métal. Donc c'est une fiche remise à un moment donné à la fin du projet, que le partenaire reçoit, qui est la fiche d'identité en fait du projet, avec la provenance du bois, le nombre d'heures de travail, les intervenants, et ce qui permet d'avoir une lecture complètement transparente sur le projet, et surtout sur les personnes qui sont derrière, parce que bon, le projet, c'est certes, il existe, mais ce qui compte, c'est que derrière, en plus, la personne puisse rentrer à l'intérieur le jour où il y a besoin de réparer, parce que l'objectif, c'est la pérennité des objets, de faire en sorte qu'ils puissent être transmissibles. Donc on rentre dans une démarche où il faut penser au restaurateur futur qui va restaurer cette pièce. Donc il y a besoin de donner les informations nécessaires, et je crois qu'on a un rôle aussi important qui est celui de la pédagogie, d'être pédagogue dans notre métier, de
de montrer comment c'est fait, d'expliquer pourquoi c'est fait comme ça et pas autrement, quels ont été les choix, et ça donne des clés, en tout cas, après la personne qui va acheter un meuble ailleurs, en tout cas d'avoir des clés de lecture sur la manière dont c'est fait, la manière dont c'est réalisé, et de pouvoir comparer et de faire ses propres choix. Donc l'atelier n'est jamais très très loin, finalement. L'atelier reste... le meuble est l'image de l'atelier, en fait, et le reflet de l'atelier en pièce finie, mais il est le reflet, oui. Il y a des questions ? J'en ai une, comme d'hab. J'étais fasciné par ton concept car, ta collaboration au concept car, et je me posais la question, quelle a été l'approche de Peugeot, pour la nommer, dans l'appropriation d'un savoir-faire comme l'ébénisterie ? C'est-à-dire, est-ce que c'est le côté bois, à tout l'imaginaire des vieilles voitures en bois, ou alors c'est aussi... le rapport à un réinvestissement du technologique par rapport à des matériaux qui sont ancestraux. Okay, en gros, quelle a été leur idée de faire appel à toi ? Bon, il y avait eu le vélo d'abord, oui. Après la voiture, peut-être bientôt l'avion, j'espère pour toi. Mais voilà, comment ils l'ont senti ? C'est à la fois les deux, c'est à la fois dans la texture, le côté chaleureux, le côté proche du corps. Le bois, en effet, c'est un matériau qui rentre dans l'habitat, c'est une seconde peau. Et l'habitacle, c'est une seconde peau. Donc c'était de le traiter de cette manière-là. Et en même temps, dans l'approche technologique, parce que la technologie apporte un nouveau vocabulaire, souvent. Lorsqu'il y a innovation, il y a un nouveau vocabulaire, et nouveau vocabulaire, c'est un nouveau style. Et donc dans la recherche et l'expérimentation technique, ils sont vraiment très ouverts. Et comme à chaque fois, on pousse un peu et on triture la matière, souvent, tout ne rentre pas dans le concept car, mais il y a beaucoup de choses très intéressantes dans le développement qui leur serviront ou qui serviront au prochain. Mais justement, ce qui est fascinant, c'est qu'on ne voyait pas très bien, mais en fait, le côté technologique, il est assez effacé. Il est très caché. Et c'est ça qui est fascinant, c'est que penser que la voiture de demain, la technologie, elle devient vraiment purement utilitaire. Et ce qui est mis en avant, c'est le bois, c'est la nature, c'est la poésie, c'est le confort, c'est le bien-être. Ouais. Donc je sais pas. La techno, du coup, est cachée. Elle n'a pas besoin d'être montrée. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est techniquement très complexe, mais au final, ça paraît simple. Bon. Celui qui rentre dans la voiture ne se rendra sûrement pas compte de toute la techno qu'il y a derrière. Donc bientôt, ils vont faire des sièges en tapisserie de Beauvais. C'est possible. Mais il y a des tapissiers qui travaillent justement artisanalement pour l'automobile. C'est ça qui est assez étonnant. Et justement, on parle de l'atelier, mais l'atelier... comment est-ce qu'on peut le considérer dans ce cas-là ? C'est un pôle R&D, recherche et développement externalisé, c'est un laboratoire. C'est un laboratoire polyvalent, ouvert, parce qu'on est flexible, on est une petite équipe. Mmh. Et puis on a envie, donc tout ce qui n'est pas possible, on a juste envie d'essayer de le rendre possible ou juste essayer de chercher. Ce qui est peut-être plus difficile pour des structures plus importantes. Donc l'atelier reste quand même le domaine de compétence d'une matière. Mmh. Mais l'ouverture fait que... Et puis il n'a pas vocation à être de l'ordre de la, comment dire, de la mise en série, par exemple, non. De tout ça. C'est vraiment expérimental. Absolument pas. Nous, on ne rentre pas du tout dans un processus de série. On est là vraiment pour l'expertise technique, la mise au point, et puis apporter un regard qui suit l'atelier. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, ils prennent bien en compte la technique. Et c'est ce qui les intéresse vraiment. C'est qu'ils vont dessiner avec la technique. C'est-à-dire que le dessin qui est né de cette voiture, il y avait une pré-esquisse, mais tout a été modifié avec les possibles de la matière. C'est-à-dire qu'on n'a pas essayé de faire des choses qui étaient complètement infaisables. Et de vouloir camoufler, de vouloir cacher. Non, là, on est dans une forme de transparence. Faisons ce qui est possible. Allons au bout de ce qu'on ne connaît pas et ce qui pourrait être possible. Et faisons ce que nous avons. Ouais. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est une vraie forme de design. Ouais. Pour faire le lien avec la conférence d'il y a 15 jours à propos de la marque, de l'estampille au 18e, est-ce que vous marquez, vous estampillez vos créations lorsqu'elles sont réalisées ? On a vu un magnifique logo de votre atelier au début de votre exposé. Est-ce que c'est le cas ? C'est le cas, oui. Et la pluridisciplinarité que vous évoquez, les gens, ça ne pose pas de problème de ce point de vue ? Non, de plus en plus. Quand j'ai commencé, j'étais assez réticent à la co-signature.
et plus ça va, plus je souhaiterais que toutes les pièces, que tous les intervenants signent leur intervention. Qu'il y ait un chef d'orchestre, ok, mais que chaque intervenant puisse apposer sa propre estampille, sa propre marque. Et c'est pour ça que le petit livret de la fin, c'est un peu une estampille sous forme papier, mais extrêmement importante pour donner la lisibilité de la pièce et de montrer qui a participé. Oui. Voilà, merci. Il y avait une autre question ? Ludovic, dans le choix de tes matériaux, quand tu parles par exemple de ce petit livret technique en fait, que tu rends au client et éventuellement potentiellement à un restaurateur, et on est actuellement en fait, confronté à ces meubles déjà des années 40-50 qui posent certains problèmes, notamment avec les colles blanches et autres matériaux. Mais par exemple, imaginons que dans 30 ans, je restaure ton bureau effeuillé ou ta table galet avec une laque... Microchromé, non ? Oui, c'est un mirachrome. Un mirachrome, oui. Est-ce que le choix de tes produits et de tes matériaux joue dans la fabrication et dans la pérennité de l'œuvre ? Oui. Souvent, c'est de prendre tout ce qui est possible en solution réversible, donc dans les collages. Après, dans les produits, ça évolue tellement que je crains que de nombreux produits n'existent plus peut-être dans 60-70 ans. Donc la restauration de cela, ça c'est un vrai sujet. Ouais. Ben oui. Et comment par exemple, même à l'heure actuelle, bien sûr, réhydrater un... Et c'est tout ce qui est compliqué entre est-ce qu'il faut oser ou pas oser, est-ce qu'il faut faire ou pas faire. Alors moi je prends toujours le parti pris de me dire on fait. Ouais. Par contre faisons quand même avec conscience d'eux. Et donc je sais que tout ce que je peux faire bien, je le fais au mieux. Et tout ce dont je ne maîtrise pas, j'essaie de donner toutes les indications et toute la possibilité à ce que ça puisse être fait. Après, il y a des choses que je ne pourrais pas maîtriser, je pense. Ouais. Mais du coup, je ne veux pas m'interdire de ne pas les utiliser pour autant. Parce que ça offre tellement de possibilités et de recherche qu'en effet, du coup, dans les projets, il y aura des choses plus durables et d'autres peut-être moins durables. Ou dans la manière de restaurer, il y aura des adaptabilités à peut-être avoir. Ouais. Mais c'est la restauration des pièces. Je pense que je le dis un peu fort, mais je pense qu'il y a beaucoup de pièces après des années 60, il y en a très peu qui seront restaurables. Pardon, mais je pense... Stabilisables, en tout cas, peut-être. Oui, les années 60 scandinaves se restaurent encore un peu, mais dans la typologie et les choix des panneaux, nous on fait extrêmement attention d'avoir des âmes de panneaux en laté, avec des cols réversibles, col de poisson ou d'autres. Mais qu'on ne se retrouve pas dans des schémas où le support se dégrade et ne puisse pas être restauré. Ouais. Merci. Bonsoir. Nous allons passer donc à la deuxième partie. Je vous présente les intervenants. Marie-Hélène Pigis, qui est doctorante dans le programme SACRE, Sciences, Arts, Création, Recherche. C'est une formation innovante du pôle universitaire Paris Sciences et Lettres. Son travail, qui porte sur les rapports entre le temps, l'art et la production, est réalisé en co-direction avec l'École nationale supérieure des arts décoratifs et le Mobilier national, où elle étudie, enfin, pour le Mobilier national, elle étudie plus particulièrement l'atelier de recherche de création. Jérôme Bescon. Jérôme Bescon a reçu la formation de menuisier en siège à l'École Boulle. Il travaille au Mobilier national depuis 2001. Il a été recruté en tant que prototypiste à l'atelier de recherche et de création. Et fin 2013, il a été nommé responsable de cet atelier. Depuis 2 ans, donc, à la tête de l'atelier de recherche et de création, il a essayé de lancer le renouvellement du parc machine de l'atelier de création qui en avait vraiment bien besoin. Alors, tout récemment, acquisition d'une imprimante 3D, peut-être bientôt une machine à commande numérique 5 axes. Tout ça dans le but de pouvoir aborder les projets futurs et des créateurs avec les moyens efficaces et actuels. Leur exposé à deux voix va développer comment interpréter la pensée du designer,
comment expérimenter les différents matériaux, comment échanger, comment collaborer et comment choisir ou maîtriser le geste. Je leur laisse la parole. Merci Myriam. Donc effectivement, une réflexion sur la collaboration qui commence par un essai de collaboration déjà pour cette présentation. Et ce n'est pas facile de faire un duo. Donc en fait, ce qu'on voulait vous présenter, c'était... je vais essayer de proposer quelques axes de réflexion, quelques citations et quelques références en regard de ce que Jérôme, lui, fait au sein de l'ARC. Donc Jérôme commence à chaque fois à vous présenter des diapos autour de réalisations récentes. Et ensuite, je reprendrai la parole et j'essaierai de proposer quelques mises en perspective. Donc bonsoir à tous, je suis le responsable de l'atelier de recherche et création, comme Myriam l'a dit. Donc contrairement à Ludovic, moi je parlais essentiellement de mobilier, puisqu'au mobilier national on ne fait pas encore de vélo ou de voiture, donc ce sera très axé mobilier. Donc je vais vous donc parler de deux projets actuellement en cours de fabrication à l'atelier de recherche et création. Donc l'un de Noé Duchaufour qui est à gauche. Donc c'est un ensemble complet puisqu'il comprend un bureau, des fauteuils, un meuble téléphonie, un meuble de rangement et un autre d'Inga Sampé qui se limite juste à une table. Donc c'est deux projets qui se terminent. Donc vous pourrez voir à travers les diapos l'évolution qu'ils ont suivie et vous pourrez comprendre comment l'atelier de recherche et création essaye de répondre au mieux aux attentes des designers. Ces deux projets sont d'autant plus intéressants puisque tous les deux ont subi des changements d'orientation, tant au niveau du procédé de mise en œuvre du matériau ou du choix du matériau lui-même. Donc retenez bien un peu les deux icônes qui sont sous les images. En fait, ça représente les intentions que les designers ont voulu donner à chaque projet. Donc pour le projet de Noé Duchaufour, c'est ce drapé blanc. Et pour Inga Sampé, c'est ce tressage en jonc. Donc, effectivement, donc là, tu parles d'intention et cette première diapo essaye d'aborder le fait d'interpréter la pensée du designer. Donc, ce rapport en fait entre l'artisan, le technicien d'art et le designer est quelque chose qui est pas mal couvert dans la littérature. J'ai extrait une citation de David Paille, qui est un professeur de design de meubles au Royal College of Art et qui a écrit un livre qui s'appelle The Nature and Art of Workmanship en 1968. Et dans ce livre, il dit notamment le design propose, l'artisan dispose. Donc c'est quelque chose qu'on pourra peut-être discuter dans la... dans la partie des questions-réponses. Et il parle de différentes distinctions, il essaye de faire des typologies et il oppose la notion d'artisanat libre en regard d'un artisanat ou d'une production hautement régulée. Donc effectivement, dans le cas de l'ARC évidemment, mais probablement comme dans beaucoup d'ateliers, comme celui de Ludovic, les artisans sont dans une posture d'artisanat libre, c'est-à-dire il y a comme dans une partition musicale, c'est-à-dire qu'il y a cette notion de partition écrite par un designer, par un compositeur, et d'interprétation par celui qui va lui donner vie. Et c'est ce jeu en fait qui va avec encore plus de liberté et de force de proposition parfois par rapport au dessin initial. La création en fait qui sort des ateliers, effectivement, elle n'est pas seulement une pure transcription formelle de ce qui est un dessin ou qui est transmis par, qui peut être aussi transmis par des maquettes, par des vues 3D, par différents supports, mais c'est vraiment le fait de donner vie à un objet et notamment à des objets qui en plus sont d'un usage fonctionnel et à se confronter à la réalité. Pour éventuellement aussi lui permettre de dévier par rapport en fait au projet, de muter légèrement par rapport au dessin original. Et ce que je trouve intéressant par rapport notamment à ces deux projets, il y a beaucoup en fait des projets qui sont produits à l'ARC, c'est cette légère ou moins légère évolution par rapport au dessin IN et dessin EIN du designer.
donc la suite. Donc en fait, moi je serai très factuel, ce sera vraiment l'évolution des projets. Je mènerai les deux projets en parallèle, donc à gauche, projet Noé du Chauffour, à droite, Inga Sampé. Donc là, la complexité des deux projets, c'était de trouver le matériau le plus approprié à traduire en fait l'intention du designer, comment rester fidèle à son concept, comme si on voulait un peu figer une intention dans un prototype, un meuble fini. Donc la grande richesse de l'atelier, c'est de pouvoir expérimenter, de pouvoir explorer différentes pistes. Donc pour vraiment coller à cette idée de draper, il y a sur tous les meubles de Noé du Chauffour une coque en blanche qui est censée représenter ce drapé qu'on pose un peu sur les meubles qui sont en attente dans une réserve et qui attendent d'être enlevés pour être révélés et utilisés une autre fois. Donc c'est tout à fait l'image un peu familière que les gens ont du mobilier national. Donc on a expérimenté. Donc pour coller à cette image de drapé, on est tout de suite parti sur de la fibre de lin. L'inconvénient, c'est que le lin, à l'état naturel, il est brun. Ça convenait tout à fait à Noé du Chauffour, puisque c'est une fibre végétale, organique, qui est biodégradable. Donc les designers aujourd'hui sont très sensibles à cette notion d'écologie. Ils ne demandent plus que l'objet soit juste finalisé, ils sont tout à fait sensibles à toute l'évolution, comme le disait Ludovic, à l'évolution du projet, au choix des matériaux, au procédé de mise en œuvre, qui soit le plus propre possible. Donc on avait ce lin, mais lui ce qu'il voulait c'était du lin blanc. Donc toute la difficulté de projet c'était de collaborer, changer, trouver un partenaire qui puisse nous procurer ce lin blanc. On ne l'avait pas en interne, donc il a fallu trouver une personne qui puisse nous fournir ce lin. Donc on a réussi à l'obtenir. L'inconvénient c'est que dès qu'on l'imprègne de résine, il devient translucide comme du verre. Donc on n'avait pas encore la solution. Pour le projet d'Inga Sampé, toute la difficulté, c'était retransposer une technique traditionnelle de vannerie, de tressage, à un objet, à un matériau plus pérenne, tel que du métal. Donc pour cela, on est parti sur des laitons, parce que le laiton a la propriété d'être souple, malléable. On a été assez loin dans les recherches. On voit l'image supérieure. Donc on a créé un quart de pied. L'inconvénient, c'est que mécaniquement, on n'était pas bon du tout, le laiton était trop souple. Esthétiquement, c'était très satisfaisant, mais mécaniquement, ce n'était pas suffisant. Donc il a fallu changer d'orientation. Et donc ce qui est intéressant dans cette partie-là, c'est effectivement la confrontation entre l'artisan, entre la personne qui fait l'objet et la matière. Donc ça, c'est un des axes qui est aussi souvent étudié dans le rapport... Dans l'artisan. Il y a un auteur qui s'appelle Juhani Palasma, qui a écrit un livre qui s'appelle La main qui pense, et qui décrit à plusieurs reprises les rapports entre l'artisan et le matériau. Il propose certaines réflexions autour de ces rapports. Alors, je vais juste vous lire un tout petit extrait. Au lieu de lui imposer une idée ou une forme préconçue, l'artisan doit être à l'écoute de la matière. Brancusi fut le magicien de la forme pure, mais il s'intéressait aussi aux propriétés innées des matériaux. Donc là, c'est une citation de Brancusi. On ne peut pas faire ce que l'on veut, mais ce que le matériau permet de faire. On ne peut pas faire en marbre ce que l'on ferait en bois, ou en bois ce que l'on ferait en pierre. Chaque matériau a sa vie propre. On ne peut pas impunément détruire une matière vivante pour en faire quelque chose de muette et inerte. Il ne faut pas essayer de prêter notre langage aux matériaux, il faut collaborer avec eux pour faire comprendre leur propre langage. Alors ça c'est aussi probablement des sujets qui peuvent être discutés, parce que ça peut être assez polémique en fait, et il y a beaucoup d'artisans, et typiquement dans ces projets-là, d'artisans et d'artistes aussi, qui cherchent à faire mentir ce genre de textes, qui disent que justement on peut réaliser dans un matériau quelque chose de très semblable qui va faire penser à autre chose. Et moi, ce qui m'intéressait aussi dans la confrontation avec la matière, c'est justement ce travail d'appropriation de la matière, de l'apprivoiser, de la pousser dans ses retranchements.
Et pour moi, l'intérêt aussi, c'était de voir juste quelle fécondité naît de cette confrontation avec la matière dans ces métiers qui sont, voilà, qui sont manuels. Et qu'est-ce qui naît de cette difficulté renouvelée, de cette frustration ? Et alors, il y a un auteur qui s'appelle Richard Sennett, qui est un sociologue et qui a écrit « Ce que c'est la main, la culture de l'artisanat » en 2008. Et dans un de ses chapitres, il a analysé comme ça l'attitude face à la résistance et à la résistance et à la résistance à la frustration, qui pour lui est très caractéristique dans l'artisanat. Et alors page 297, il s'appuie sur différentes études psychologiques. Il cite le psychologue Lionel Festinger a exploré cette tolérance à la frustration en conditions de laboratoire en observant des animaux exposés à une frustration prolongée. Il a constaté que les rats, les pigeons, tout comme les ingénieurs, apprenaient souvent à s'accommoder de la frustration plutôt que de devenir fous furieux. Les animaux organisaient leur comportement en conséquence, de manière à se passer au moins temporairement de gratification. Donc j'ai évidemment sélectionné un petit passage amusant, mais je trouve que c'est intéressant de creuser en fait et de voir comme ça qu'est-ce qui est intéressant dans la confrontation quotidienne avec la matière et avec les difficultés qu'on rencontre face à la matière. Et alors lui, dans la foulée, il identifie trois techniques qui permettent aux gens de ne pas renoncer et de le faire productivement dans la frustration. Il parle de reformatage, donc que le problème est reconçu en fait, en quelque sorte, avec des protagonistes différents, c'est-à-dire finalement repenser les choses complètement différemment, avec du coup changer de matière, changer d'orientation. La patience. La capacité à s'attarder sur un travail frustrant, voilà, concentration prolongée, détermination. Et alors il dit que assez rapidement, toute la difficulté réside dans l'appréciation du temps, c'est-à-dire jusqu'à quand on va résister à la frustration. Alors il finit en disant, on peut alors définir la patience de l'artisan comme la suspension provisoire du désir d'achèvement. Voilà. Pour reboucler sur ce que disait David Pye, que je citais dans la première partie, il a également théorisé en fait une autre opposition entre deux types d'artisanat, l'artisanat du risque versus l'artisanat de la certitude. Et c'est probablement deux axes qu'on retrouve chez beaucoup d'artisans finalement, et peut-être que certains artisans se retrouvent dans l'un ou plus dans l'autre. En tout cas, David Pye a une idée assez précise de la question, c'est-à-dire que pour lui, toutes les grandes réalisations sont nées de l'artisanat du risque, ceux qui ont tenté de transgresser et de sortir de leur zone de confort et de prendre des risques. Voilà, je te repasse la parole. Troisième diapo, qui colle tout à fait à ton propos, donner du temps. Résister justement quand on ne trouve pas la solution. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on confronte nos idées, on apporte nos solutions. Donc les designers entre les artisans de l'atelier, c'est qu'il y a un réel échange. Je dis bien, moi j'ai vu une piste, un salon, j'ai découvert telle personne qui pourrait t'apporter une solution. Donc on voit bien comment ça se passe. Donc en fait, de toutes ces réunions, de tous ces échanges, généralement il en sort une solution, une piste. Alors c'est pas tout souvent immédiat. Je me souviens qu'on avait déjà débattu là-dessus à l'école Boulle avec Rémi Fischler. C'est que souvent les projets d'intensité, ça part très vite, c'est l'euphorie. Il y a une zone un peu plus stable où on ne sait pas très quelle orientation choisir, on hésite à ce qu'on prend cette solution, pas cette solution. Il y a voir des zones de baisse de régime, on est un peu abattu, on se dit bon, qu'est-ce qu'on fait ? On ne trouve pas la solution, la porte de sortie. Puis quand même, heureusement, ça repart vers le haut, on trouve une solution. Donc pour le projet Noé du Chauffour, ça a été assez éprouvant sur ce fameux lin blanc, parce que je voulais vraiment apporter cette valeur ajoutée au produit. Donc quand on a des zones de doute, on avance quand même sur d'autres choses. Là, on pouvait avancer sur la forme, on voit Noé au-dessus, là, on voit le moule, enfin le master qui a servi à faire le moule, qui est sorti, il peaufine la ligne. L'image du dessous, il y a une rencontre encore où on ajuste les dimensions de la coque. La troisième, ce sera plus sur les fauteuils, j'en parlerai pas trop,
Pareil pour Inga Sampé, on n'avait pas la solution immédiate, mais on a travaillé sur la forme, sur le nombre de les proportions, les accartements, le nombre de mentons dans ces piétements. Donc bah oui, l'échange, la collaboration, c'est quelque chose qui a été du coup beaucoup abordé aussi dans la première partie. Finalement, c'est très complémentaire, je pense, avec ce qui est dit ici. Parce que dans l'échange, dans la collaboration, que ce soit dans la collaboration interne avec d'autres départements, dans une même maison par exemple, ou évidemment avec des entreprises extérieures, on est toujours sur ces notions de où placer la frontière, où est-ce qu'on va s'arrêter, où est-ce qu'on va passer la main. Accepter effectivement de s'ouvrir à d'autres cultures d'entreprise, d'autres façons de faire. À quel moment effectivement, voilà, on va faire une chose et passer la main à une autre. Accepter de prendre des risques, accepter de pas tout contrôler, de laisser faire quelque chose pas forcément à sa façon. Donc il y a toutes ces choses là qui entrent en jeu dans la collaboration. Et une chose qui m'a amusée, c'est de voir que Richard Sennett, que j'ai abordé tout à l'heure, eh bien, il vient de publier un autre livre qui est en fait la deuxième partie de son diptyque et qui s'appelle Ensemble. Ensemble pour une éthique de la coopération, donc, qui est sorti en 2014. C'est assez drôle de voir que typiquement, il se pose aussi, lui qui réfléchit beaucoup au monde de l'artisanat, eh bien, après avoir essayé de décrire et de décrire ce que c'est que le monde artisanal, eh bien, le deuxième ouvrage, c'est sur la collaboration. Page 15, je cite, on peut définir sèchement la coopération comme un échange dans lequel les participants bénéficient de la rencontre. Et ensuite, il décrit en fait trois formes de coopération, pas dans l'atelier en particulier, mais enfin en général. Une coopération destructrice du nous contre vous, une coopération dégradée en collusion, mais pour lui la bonne solution de rechange est une forme de coopération exigeante et difficile. Elle essaye de relier des gens qui ont des intérêts séparés, voire contradictoires, qui sont mal à l'aise les uns avec les autres, qui ne sont pas égaux ou qui tout simplement ne se comprennent pas. Et le défi consiste à répondre aux autres sur le terrain qui est le leur. Tel est le défi de toute gestion de conflit. L'aspect le plus important de la coopération rude, ce qu'il appelle cette coopération rude, est qu'elle requiert encore une compétence, un savoir-faire qu'Aristote définissait comme une techné, la technique qui consiste à faire que quelque chose arrive et à le faire bien. Et c'est quand même une belle description souvent de ce qu'est l'artisanat et l'artisanat en particulier. Tout à fait. Donc cinquième diapo. Donc je ne vais pas rentrer dans les grands détails, mais on voit rapidement qu'on a fait encore d'autres propositions. Donc pour le projet Noé du Choufou, on a fait X tentatives. On a la diapo noire, en fait, c'est on a voulu changer de matériau. Puisque c'était un matériau nouveau, donc c'est du lin associé à du PLA. Donc le PLA, c'est de l'acide polylactique, donc c'est un polymère organique. Donc ça l'intéressait d'autant plus qu'il est biodégradable, entièrement biodégradable. L'inconvénient, c'est qu'on changeait de technologie, on n'était plus sur un thermodurcissable, mais sur un thermoplastique, donc il fallait des moules qui puissent résister à la chaleur. Donc tout le travail qu'on avait fait en amont n'était plus valable. On pouvait difficilement changer d'orientation à ce moment-là. Il y a un petit troisième échantillon, j'en parlerai plus tard. Pour le projet Inga Sampé, on a vite trouvé la solution, finalement, c'était changer de matériau. Donc on est passé sur de l'acier. L'inconvénient de l'acier, c'est qu'on avait de la résistance mécanique. L'inconvénient, c'est qu'on ne pouvait plus le tresser comme nos bras en laiton. On perdait ce transfert de technique manuelle de vannerie. Donc on est parti sur une tôle découpée au laser, donc on avait la forme, donc on restait fidèle au projet, à l'image, on perdait par contre l'intention de tressage manuel, je veux dire. Donc elle a quand même accepté, donc ils sont quand même, les designers font des compromis, à un moment ils se rendent bien compte que c'est pas possible, donc ils acceptent de modifier soit leur dessin, soit leur intention. Pour le coup, c'était l'intention. Donc voilà ce que je peux dire. On verra la suite, prochaine diapo. Sur cette partie, retenir une solution, moi j'ai retenu une phrase de David Paille qui dit, alors j'essaie de le traduire en français, le design est ce qui, pour des raisons pratiques, peut être
transmis par les mots ou par le dessin. Et la fabrication ou l'artisanat est ce qui, pour des raisons pratiques, ne peut pas. Et en pratique, le designer espère que l'artisan, que la fabrication va être bonne, mais c'est finalement l'artisan, le technicien, qui décide si la pièce est bonne ou pas. Et donc finalement, il finit on the workman's decision depends a great part of the quality of our environment. De la décision de l'artisan, de la décision de celui qui fabrique, dépend une grande partie de la qualité de notre environnement. Tu as une grande responsabilité entre tes mains. Lourde tâche. Donc oui, j'ai oublié de dire ça, c'est que, comme disait Marie-Hélène, jusqu'où on pousse le temps de recherche. Donc c'était assez amusant parce qu'on a vu Monsieur Duchaufour il y a, je sais pas, une petite heure, une grande heure. Donc au bout d'un moment, on s'est dit bon ben voilà, on n'a pas la solution aujourd'hui. On va repartir sur l'idée de départ qui était de gainer la coque de cuir blanc. Donc on est parti sur ce postulat-là. Donc le choix était de valider un matériau naturel qui est la fibre de lin, mais qui sera gainé de cuir par la suite. Donc ce qui est le fond de ma diapo, c'est le lin qu'on a retenu. Donc une fois qu'on a retenu un matériau, il faut aussi maîtriser son procédé, maîtriser un geste pour le mettre en œuvre. Donc la solution pour le bureau annuel du Chauffour, c'est qu'on fait souvent des petits essais, genre format A4, donc sur des petits formats c'est toujours simple ou plus simple. Le mettre à une dimension réelle, ça devient un autre challenge, un autre défi. Donc pour le projet Noé du Chauffour, la dimension de la coque pour le bureau était relativement conséquente. Donc il a fallu créer un moule et un contre-moule, donc on voit les techniciens de l'atelier qui travaillent dessus à gauche. La technique retenue a été du RTM Light. Alors le RTM Light, c'est injection de pièces en résine, mais light, léger. Donc c'est des moules légers, donc c'est pas des moules en acier qu'on utilise dans l'industrie pour produire des pièces en série à forte cadence. Donc c'est une technique qui convenait tout à fait à l'atelier, puisque c'est fait pour des petites pièces ou des pièces unitaires. On verra sur la diapo suivante, on comprendrait un peu mieux la technique. Pour le projet Inga Sampé, le fait de sous-traiter la découpe laser nous avait fait gagner beaucoup de temps, donc le choix avait été très judicieux. Là, il s'était posé la question, est-ce qu'on fait tout usiner à la commande numérique en extérieur? Donc là, on perdait aussi toute la fabrication à l'atelier, donc on avait pris le parti pris du fabriquer à l'atelier avec nos machines conventionnelles. Pour le coup, je pense qu'on avait vraiment sous-estimé le temps de fabrication, puisqu'il y a 6500 intersections. Je ne sais pas si vous voyez le multiplié par 4 pour donner cette impression de tressage. Donc ça fait 26 000 passes déplacées à chaque fois à la main, repositionnées à la main. Donc le temps était colossal. Donc là, pour le slow made, on pourrait en parler largement. Donc je parlerai en ma prochaine diapo qui avait d'autres solutions qui naissent aussi. Enfin, j'en parlerai plus. La maîtrise du geste, c'est effectivement un des sujets aussi phares dans la littérature sur l'artisanat en général et l'artisanat d'art en particulier. Je voulais juste faire une remarque que j'aime bien cette slide particulièrement parce qu'on voit les gens, on voit les techniciens, les artisans qui travaillent sur les pièces. Parce que c'est vrai que souvent, notamment les pièces qui sortent de l'arc et du mobilier en général, sont des pièces qui ont une destination très particulière, hein, qui est liée à l'institution. Mais on voit peu, en fait, les personnes qui ont travaillé sur les pièces. Donc je trouve que c'est très intéressant de documenter comme ça la fabrication. Il y a plusieurs auteurs qui ont écrit sur la maîtrise du geste, notamment par exemple Anne Jourdain qui a transcrit en fait son travail de thèse en ouvrage Du cœur à l'ouvrage en 2014, où elle parle de l'acquisition des routines, ce qu'elle appelle des routines. Donc voilà, c'est l'acquisition des gestes et le fait d'apprivoiser encore une fois la matière. Moi j'aimais bien aussi un ouvrage de Matthew Crawford qui s'appelle L'éloge du carburateur,
qui est sorti en 2009 et qui est une analyse du geste de l'artisan et du métier de l'artisan de la part de quelqu'un qui n'est pas essentiellement artisan à la base, qui était plutôt un col blanc et qui a tout laissé tomber son travail dans un think tank américain pour devenir réparateur de motos anciennes. Et son ouvrage décrit justement toute à la fois la satisfaction, l'intelligence qui naît de la pratique manuelle et de la confrontation avec la matière et qui n'existe plus, enfin c'est un peu caricatural évidemment, c'est son propos, qui se perd en fait finalement dans les métiers purement intellectuels. Et en fait c'est vraiment une revalorisation de plein de métiers manuels. Et ça se lit en plus de façon extrêmement agréable, donc c'est vraiment un bouquin que je pense qu'il y a eu beaucoup de succès. Et à nouveau, ce qui est drôle de voir, c'est que le dernier ouvrage qu'il vient d'écrire, qui est sorti cette année, qui n'est pas encore traduit en français, s'appelle The World Beyond Your Head: On Becoming an Individual in the Age of Distraction. Donc on pourrait traduire par le monde derrière votre tête, votre esprit, ou comment devenir un individu à l'âge de la distraction, enfin dans ces temps de distraction. Et c'est vrai que ce sujet de la maîtrise du geste, de la concentration sur et la répétition pour ensuite pouvoir innover sont des sujets extrêmement contemporains, enfin, et au-delà même enfin, de l'atelier et de l'atelier de l'artisan et de l'artisan d'art. Ce sont des problématiques qui touchent tout le monde. Et moi, je trouve que c'est en ceci que, en fait, les exemples, notamment que tu démontres, que tu décris et qui sont produits par l'ARC, sont, à mon sens, extrêmement intéressants, au-delà même, en fait, du simple cadre de l'artisanat. C'est-à-dire que c'est possiblement un modèle, c'est des ébauches, des idées et des valeurs, des façons de faire, des savoir-faire, qui sont probablement utiles au-delà même des techniques précises que vous maîtrisez. Je l'espère. donc là, les deux projets, on voit pas, font vraiment preuve de persévérance, comme tu disais, la résistance à l'effort. On voit Stéphane là en bas à droite, je pense qu'il a passé des centaines d'heures à usiner ses pièces. Bon, le résultat est payant puisque c'est quasiment terminé. Je pense qu'il lui a fallu beaucoup de patience. Donc, ça a quand même été payant. Aujourd'hui, même si le bureau, aujourd'hui, la coque n'est pas entièrement fabriquée en textile, puisqu'il y a une partie cuir pour donner cette blancheur, le projet est terminé et conforme quand même à l'intention du designer, l'intention première. On voit à droite, en fait, parce qu'il y avait un ensemble complet, donc on voit une coque de fauteuil qui est en cours de réalisation. Donc c'est la technique du RTM Light qu'on a choisi. Donc on voit aux extérieurs où c'est plus foncé, donc c'est la résine qui vient imprégner les tissus de lin. Et on voit l'intérieur qui est plus clair avec le bol relié à un tuyau pour créer la dépression, la zone qui n'est pas encore imprégnée. J'ai fait un petit clin d'œil aussi sur une impression 3D qu'on dispose depuis peu. C'est un outil tout à fait intéressant puisque les pièces, les assemblages étaient très complexes. En fait, on est à deux à travailler sur les fauteuils. On a divisé le siège en deux, puisque je tiens à garder comme petite activité à l'atelier, comme Ludovic, donc n'ayant plus le temps de tout faire, enfin tout faire, ma partie. Donc, ce qui était intéressant, c'est que moi, j'ai modélisé cette pièce 3D et je me suis joint à la pièce de mon collègue. Donc, lui, il avait la partie femelle, moi, j'avais la partie mâle. Et tout de suite, avec cette impression 3D, on s'était dit que, on a vu rapidement qu'on était bon, donc on a tout de suite validé la fabrication, on est parti dessus sans crainte d'avoir une rencontre mauvaise. Donc là aussi, une collaboration aussi en interne entre nous, quoi. Il n'y a pas que collaboration avec des gens de l'extérieur. Mais moi, je trouve aussi intéressant, c'est de voir effectivement dans quelle mesure le temps que vous avez eu pour développer ce projet a permis justement de faire maturer les idées, maturer parfois les savoir-faire, puisque dans certains cas, vous vous formez carrément à l'usage de nouveaux matériaux qui ne sont pas ceux que vous utilisez habituellement.
Donc le fait d'avoir le temps, du temps pour produire une pièce, donc, permet de faire des choses qu'on n'aurait pas dû faire. Enfin, c'est assez bateau de dire ça, mais pour plusieurs raisons en fait. Parce que ça fait émerger des idées, parce que ça fait avancer des savoir-faire, parce que ça fait des collaborations qui n'auraient pas pu avoir lieu, etc. Et j'avais trouvé une citation de Matisse que je trouve vraiment très belle et à plusieurs titres. Donc je vous la livre. Quand je revois l'essai de départ, il me paraît faible, sans aucune compromission. Mais à travers le flou de cette image incertaine, je sens une construction de lignes solides. Elle rend la liberté à mon imagination, qui travaille à la séance suivante, selon l'inspiration, d'après cette construction, ou même venant directement du modèle. Des dessins comportant toutes les finesses d'observation entrevues pendant le travail jaillissent comme d'un étang de bulles de fermentation intérieure. Et je trouve trouve que c'est une belle façon imagée de représenter un peu le travail de maturation, en fait, à la fois de création et de réalisation. Donc, dernière diapo qui ouvre le champ des possibles, d'autres possibilités. Donc, ce que j'ai remarqué, en fait, après 15 ans passés à l'atelier de recherche et création, c'est qu'à un instant T, après avoir cherché multi solutions, il faut prendre un choix. Donc, on s'engage dans une direction. Ce qui fait un peu la difficulté, c'est qu'on crée des prototypes, mais des prototypes qui doivent servir. Ce n'est pas des prototypes, un premier jet qu'on se dit, quand on fera adapter notre production, on changera des choses. Donc là, c'est quand même un prototype qui doit être utilisé, en plus par des hauts dignitaires. Et souvent, entre le départ et l'arrivée, il y a d'autres idées qui germent, d'autres matériaux qui arrivent, d'autres solutions techniques qui arrivent. Donc là, c'est le cas pour le projet Inca Sans Paix. Donc là, j'ai mis une photo, c'est une publicité, mais ça, c'est tout nouveau. En fait, c'est la pression par additive au laser, donc de métal. Donc au départ du projet, c'était une technique que je ne connaissais pas, ou qu'on ne connaissait pas, ou qui existait, mais qui était très coûteuse et qui est en train de se démocratiser. Donc ce serait une piste envisageable pour les années futures, quoi. Enfin, s'il fallait vraiment réaliser ce projet une autre fois, ou une autre problématique de ce genre-là, ça pourrait être une piste. Idem pour le projet Noé du Chauffour, donc à force de chercher, de discuter, de collaborer, on a rencontré une autre personne qui vient de créer une petite start-up dans des matériaux rien qu'à base de lin. Donc lui, il propose un produit avec du lin, avec un film plastique, avec une âme en liège, donc un produit 100% biosourcé, entièrement biodégradable, donc qui est très prisé par les designers aujourd'hui. Voilà, des pistes qu'on pourrait ouvrir. Donc oui, ça rejoint aussi beaucoup de discussions sur beaucoup de nouvelles technologies qui émergent aujourd'hui, qui deviennent matures et donc qui deviennent utilisables pas seulement dans une industrie de pointe, mais par tout le monde à la limite. Et donc en quoi l'évolution de ces technologies finalement change quelque chose par rapport à l'usage d'outils plus traditionnels en fait. Et est-ce que ça a un impact? Est-ce que finalement la machine c'est le prolongement de l'esprit ou le prolongement de la main? Voilà, c'est ces débats-là. Alors moi, ce qui m'avait semblé intéressant, c'était de le mettre en regard avec les réflexions d'un écrivain en fait qui s'appelle François Bon et qui a commencé non pas comme écrivain mais comme ingénieur et qui investigue depuis 20 ans maintenant la question du devenir de la littérature en rapport au numérique. Puisque là, on est aussi sur des travaux qui sont très liés en fait à la fois dans la phase de design, de conception et ensuite peut-être de réalisation avec quelque chose de dématérialisé, de numérique. Et ce monsieur a écrit justement une autobiographie des objets en 2012 où il analyse en fait nos rapports aux objets, notre attachement aux différents types d'objets et en fait à l'évolution en fait des objets qui nous entourent, d'objets qu'il paysan ancré, qu'il appelle ancré, vers des objets qui ensuite ont produit mécaniquement plus mobiles et vers des objets qui aujourd'hui se dématérialisent de plus en plus et qui sont accessibles par le truchement d'outils de plus en plus légers. Donc il y a une espèce de devenir assez éthéré des objets. C'est pas le cas de tous les objets, et notamment pas de ceux que vous produisez, mais c'est des réflexions qui sont quand même très, à nouveau très actuelles par rapport à l'usage des technologies.
Et voilà, je voulais juste apporter ce point-là. Et je crois qu'on arrive à la fin. Il est peut-être aussi difficile de conclure que de, que de commencer. Et moi, je trouve que... Enfin, voilà, en tout cas, ce que je voulais dire, c'était que pour moi, l'analyse de l'arc, puisque l'arc est pour moi un objet d'étude dans le cadre de mon travail plus universitaire, c'était voilà, cette idée que c'est un modèle qui peut être tout à fait finalement avant-gardiste et visionnaire et pas être regardé uniquement comme un conservatoire de technologie de savoir-faire qui peut être tout à fait intéressant et absolument passionnant en soi et utile et nécessaire, mais je pense que c'est pas seulement ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Je ne sais pas si mon micro marche. Oui, il marche. Où on voit finalement que on parle parfois de design thinking, qui est un terme comme ça. On emprunte à l'anglais l'idée d'une méthode en fait du designer. On se rend compte que l'artisanat c'est aussi une méthode avant même presque d'être un métier. Il y a quelque chose aussi de la méthode de travail qui est assez passionnante justement dans cette rencontre avec le designer. Je me posais la question, ce cheminement d'un projet avec sa part d'échec, on a bien compris là que c'était un chemin qui parfois est semé d'embûches et qui parfois au contraire des grands succès, comment est-ce que vous valorisez, je me tourne aussi vers Myriam, comment est-ce que vous valorisez ces différentes étapes finalement? Est-ce que c'est des choses que vous conservez? Vous conservez les échecs? Est-ce que vous mettez finalement aussi à l'honneur ces recherches qui parfois peuvent tendre vers de la création? Alors pour l'instant non, enfin, je crois pas, si je dis pas de bêtises. Par contre on est beaucoup plus sensible depuis quelques années à conserver en fait nos échantillons, nos essais, nos ébauches. Alors qu'il y a encore 10 ans, je pense qu'on les aurait achetés, on se dit oh, c'est pas intéressant. Et en fait, avec le recul, on les conserve, on se dit forcément, c'est quand même une preuve, un support de travail qu'on peut conserver. Et puis aujourd'hui, c'était peut-être pas utile, c'était peut-être pas abouti, mais demain, on pourra le représenter. On se dit oh, tiens, on a fait ça, peut-être qu'on peut repartir dessus, s'appuyer dessus pour partir sur autre chose. Moi, je ne vais pas poser une question, mais faire une remarque. Sur les trois interventions, ce à quoi on assiste est plus que passionnant, puisque c'est, pour faire très scientifique, c'est une vraie rupture paradigmatique que l'on voit à l'œuvre. C'est-à-dire que, pour être plus concret, on voit que le réel émerge et qu'il est interrogé et transformé, alors que jusqu'à présent, le réel était nié. Je me fais explicite dans la définition de Pi. Au début, il y en a un qui pose, qui pense, et l'autre qui dispose. Ça, c'est hérité d'une tradition qui remonte à Léonard de Vinci, et qui remonte à cette conception de la pensée et la main exécute. On voit bien que les récentes démarches, designer, métier d'art et autres, on est dans un réinvestissement du réel, où la notion de poésie, la notion des matériaux, la notion de nature est totalement présente, et qui est aussi une tradition qui remonte Michel-Ange, Delacroix et tous les gens qui ont écrit leur manière de faire. Et c'est ça qui est passionnant, et que l'atelier recherche et création, le Mobilier National et d'autres, soient les acteurs de ce réinvestissement du réel, non pas comme quelque chose de bas ou d'inférieur, mais comme d'une réalité, on fait naître une utopie, et pas l'inverse d'une utopie on applique sur le réel. Donc là, je crois qu'on est vraiment à quelque chose de passionnant et qui où tout se pose, les matériaux, les gestes, la collaboration, l'échange. Et merci, parce que c'était vraiment important de le montrer sous cet angle. Voilà, je n'avais pas de questions, mais c'était juste une remarque. Sur ce, vous pouvez poser des questions. Vous disiez que le travail de l'arc, en fin de compte, reste des prototypes. Les pièces sont tous des prototypes et utilisables dans les médias si il y a une attribution dans les services ministériels et tout ça. Est-ce qu'il y a des pièces, en fin de compte, qui restent des prototypes en vue d'une amélioration ?
Sans attribution. Très, très, très bonne question. Non, j'en vois pas. Je pense que l'atelier, c'est toujours fixé le but de donner un objet fini et utilisable. Alors, je trouve ça un peu antinomique parce qu'on appelle ça un prototype, mais pour moi, un prototype, c'est pas quelque chose d'utilisable. Quoi. C'est une première ébauche, si on peut dire. Donc le terme est tout à fait discutable. Je pense qu'on pourra en discuter longuement. Mais on est quand même censé réaliser des pièces qui ont vocation à servir. Oui, Jérôme, il y a des pièces en fait qui sont des prototypes. Est-ce qu'après elles sont usinées à grande échelle et si tel cas, où ? Qui est-ce qui traite ça ? Donc, est-ce si que ça s'est déjà fait ? Est-ce que ça s'est déjà fait, Myriam ? Mm. Est-ce qu'il y a eu des pièces réalisées à grande échelle ? Pas dans l'atelier de création même. Il s'agit de sièges souvent, enfin pour l'atelier, qui sont édités en toute petite série pour les besoins du mobilier national. Mais dans les premières années du mobilier national, en effet, il y a c'était surtout pour les sièges, encore une fois, qui ont été édités par des maisons, des éditeurs qui ont disparu depuis, mais en grande série. Ça a été le cas notamment avec Étienne Fermigier, je ne sais plus de mémoire, ça c'était dans les années 60, c'est-à-dire au tout début de l'atelier de recherche des créations. Voilà, une dernière. Si j'ai répondu. Une dernière question. Non. Pardon. Alors, pour finir, deux annonces. Une, on parlait de Richard Sennett. Il interviendra au colloque de l'INMA le 6 novembre, dont vous avez des dépliants sur la table. Donc, ça serait l'occasion d'écouter Richard Sennett. Alors, peut-être pas en français, mais il y aura traduction simultanée. Et deuxième annonce, nous nous retrouvons le 24 novembre. Une petite pause. D'un mois quasiment, sur une thématique sur voyager avec style, le confort du déplacement, avec le bivouac de Napoléon et Louis Vuitton. Voilà, à très bientôt et bonne soirée. Merci.